Alors, c'est pas facile cette question parce que c'est délicat. Déjà, leur dire qu'il faut beaucoup de courage, ça c'est la première étape, c'est vraiment beaucoup de courage, beaucoup de force pour conclure sur de l'amour, un amour tellement grand. Alors, ça paraît être un Everest, quoi, grimper. Quand on arrive face à cette maladie, on se dit pourquoi, on remet tout en question, on se pose tellement de questions. J'aimerais leur dire qu'il faut vraiment s'entourer énormément. Énormément de personnes, de professionnels, de familles, d'amis. De ne pas se couper du monde, vraiment s'ouvrir, même si ce n'est pas facile, mais accepter l'aide, en tout cas si quelqu'un en propose ou si les professionnels sont compétents autour. Pour pouvoir vraiment avoir une épaule, pour pouvoir souffler aussi, que ce soit au niveau du couple, aussi de la fratrie, s'il y en a déjà une, et qu'après, l'ombre vient toujours la lumière, et que il y a vraiment un amour incroyable, et nos filles sont des anges, donc on a la chance de pouvoir le vivre. Et c'est vrai que c'est magnifique. Mais c'est vrai qu'il m'a fallu du temps pour dire ces mots quand même, mais ça arrive et c'est très beau et on trouve une stabilité et voilà.